cet événement s'est interrompu pendant 2 ans. Le fait qu'il reprenne et qu'il reprenne avec cette ampleur est un très bon signal pour la Tunisie comme destination touristique et pour la confiance aussi que nous avons à la fois en local et sur le plan international dans la situation à la fois sécuritaire du pays et dans son développement. On est très heureux à l'UIB de nous associer à cet événement parce que il permet en même temps d'associer à la fois les richesses de la Tunisie, son histoire, cet emplacement extraordinaire à Rangoujbal, les paysages de ce pays qui font sa richesse, et en même temps avec une vision de l'art qui est aussi dans notre culture et dans cette image de civilisation que la Tunisie veut projeter, et avec une dimension internationale, puisque une très grande partie des artistes qui se produisent aujourd'hui et une partie du public viennent de l'international. Et ce mélange-là, c'est vraiment représentatif de la Tunisie que nous aimons, d'une Tunisie à la fois ouverte et d'une Tunisie qui progresse en permanence et qui est à la recherche d'un élan d'amélioration et de développement. Nous nous associons, l'UIB, à travers notre fondation Art et Culture par UIB à cette manifestation que nous soutenons financièrement. Et par ailleurs, nous avons souhaité montrer aussi la performance dont la banque est capable, notamment en mettant en place ici un dispositif complet de monétique avec des automates de retrait d'argent qui sont présents ici, en plein désert, qui fonctionnent, donc qui sont mobiles, qui fonctionnent avec la 4G, avec la technologie de la téléphonie mobile. Et la même chose aussi pour les terminaux de paiement électronique qui peuvent être utilisés ici, à nouveau en plein désert, ce qui prouve aussi que tout ce que la technologie peut apporter pour faciliter la vie des gens. Et nous avons profité de cette occasion aussi pour lancer plus largement, à destination de l'ensemble du public, et en particulier du public jeune, une offre spécifique de l'UIB, qui est matérialisée notamment par cette carte bancaire à l'effigie du logo des dunes électroniques et qui permet donc aux souscripteurs ou aux futurs clients de l'UIB d'avoir un ensemble de produits et de services qui correspondent notamment aux besoins des jeunes consommateurs en matière de mobilité, d'accès à leur compte sur leur téléphone ou leur smartphone et sur Internet, et d'avoir une offre qui est claire et qui est offerte à un prix particulièrement compétitif. Voilà, pour toutes ces raisons, pour l'ambiance festive qui est ici, pour toutes ces raisons, encore une fois, qui représentent une face de la Tunisie, de sa culture et de sa civilisation qui sont positives, nous sommes particulièrement heureux d'être ici ce soir.